Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ice Angel Coloriage. Aujourd'hui, je vais faire le tag de vos habitudes colo. J'ai été taguée par José Colorier. Et là, désolé si ça a pris du temps avant que je le fasse. José, ça n'a juste pas donné encore, mais là, je suis prêt. Puis, je vais colorier dans le cercle de la vie de Melpomene. Chadipangiotou, je ne sais pas comment le prononcer, je suis désolée, c'est ça. Pour ce qui est du tag, je ne sais pas c'est qui l'a crié. Je ne me souviens plus. Mais je vais le répondre quand même. Pour colorier, je colore les girafes, mais c'est les feuilles. Je prends mes Black Widow, j'ai le Forest CB96, le Olive Green SC62 et le MN047, qui est, si je ne me trompe pas, Apple Green. Je vais checker chez les Dove. Comme ça. Oui, c'est le Apple. J'ai les Dove à côté. Fait que, on y va avec question numéro 1. Où est-ce que vous installez pour une session colo? Mais moi, c'est pas compliqué. C'est sur mon bureau d'ordinateur qui est dans mon salon, à côté de la télévision. J'aimerais ça avoir une petite pièce ou quelque chose juste pour mes colos, mais malheureusement, j'ai pas cette option-là. Mais je m'installe toujours sur mon bureau. Mon ordinateur est là. Mon écran est littéralement d'ordinateur est juste là. Fait que c'est là que je colo. Fait que mon espace est limité. C'est pour ça que tu me vois jamais faire mes vitraux en vidéo parce qu'il faudrait que je les fasse de côté en place de horizontale en place de verticale. Numéro 2. Quelles sont vos habitudes lors d'une session colo? Mais ça dépend. Des fois, je mets des séries que j'aime écouter. J'aime ça voir la TV dans le background, mais il y a d'autres fois que j'aime ça être silencieux. Fait que j'éteins tout, puis je fais juste colorier. J'ai toujours un bouteille d'eau à côté. Je sais, des bouteilles en plastique, c'est pas bon, mais mon frigo vient de casser. Fait que je fais avec ce que je peux. Et un coke diète. J'ai essayé de couper la liqueur. La boisson gazeuse, dans le fond, c'est pour ça l'eau et la liqueur côte à côte. Puis de même, je sens pas le besoin de tout le temps prendre la liqueur. Je bois plus d'eau dans ce temps-là. À part de ça, c'est pas mal ça, mes habitudes. J'ai mon chariot à côté. Je pourrais pas te montrer, mais là-dessus, c'est mes crayons. C'est toujours à côté. Il faut que ça m'aide à avoir accès à tout. Donc, c'est pas mal ça. Dans votre espace, numéro 3, dans votre espace colo, est-ce que chaque chose a une place précise ou que c'est la bordel? Oui, mes affaires ont toute leur place parce que quand je veux jouer à l'ordinateur ou checker Amazon ou n'importe quoi, je suis obligé de faire sur le même bureau. Fait que quand je suis fini, maintenant je suis fini de colorier pour asseoir ou je veux jouer à l'ordinateur, mais là je vais serrer. Mes crayons vont en avant de moi ici, juste là. Il va là. Puis ma livre à côté, par-dessus mon coffre, mon étui. Un crayon. Puis mon chariot reste à côté de moi. Il faut que tout a littéralement sa place. Quand je prends de quoi, je le remets d'où ce qui vient parce que sinon, je ne trouverai rien. Puis toutes mes affaires, tu sais, j'ai du stock dans le salon, j'ai du stock dans le corridor, j'ai du stock dans mon bureau. Il faut que je veux savoir où mes affaires quand je les cherche. Numéro 4. Quel est votre matériel chouchou? C'est une dure question. Parce que j'adore les crayons de couleur, mais j'adore également les crayons aquarellables. Fait qu'on va dire les crayons de couleur. Parce que je les prends plus. Ça, c'est mon matériel chouchou des crayons de couleur. Numéro 5. Est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre ou est-ce que vous variez? Et pourquoi? Mais moi, je varie de livres parce que j'aime colorier toutes sortes de choses. Puis je pense que je me tannerais de tout le temps faire les mêmes livres.
pas que je retourne à tous les mois. Comme là, je suis en train de faire le Mythic World avec Zazu en couleur. Je vais commencer à faire des marque-pages à tous les mois avec Isa Hall, comme on a déjà fait. Tu vas voir ça dans mes colos terminés. Je vais toujours dans les portraits avec Nanook. Même chose avec Indra. Puis, je tourne certains livres, mais d'autres, je vais choisir partout, comme l'envie va me pogner. Puis, je vais juste aller dans n'importe quoi, tu sais. Fait que c'est vraiment varié. Je sais pas si ça a bien répondu à la question, là. Fait que c'est pas toujours le même livre. C'est varié. J'aime bien d'avoir le choix, tu sais. Excuse-moi si j'ai radoté un petit peu dessus. Je ne sais pas d'autre comment m'expliquer pour cette question-là, parce que je retourne dans des livres, mais c'est toujours des affaires différentes. Montrez votre livre de coloriage chouchou. Attends une minute. Je vais aller le chercher. Je reviens. De retour. Mon livre de coloriage, c'est lui. C'est le Vitraliste de Disney. Pourquoi chouchou? C'est parce que c'est un livre qui était très dur avant qu'on découvre l'Erika, de l'avoir au Québec. Puis c'est mon papa qui me l'a offert le premier Noël après que ma mère est décédée. Fait que ça a beaucoup, beaucoup d'émotions liées à ce livre-là. Fait que c'est mon livre chouchou. C'est sûr, j'en ai plein de livres que c'est spécial. Mon nouveau Harry Potter, c'est un livre que je voulais tellement longtemps que c'est comme un livre chouchou aussi. Mon Clara Markova, pareil, mais celle-là, il y a une place spéciale. À cause de ça. Avez-vous l'habitude de noter vos combos? Ça, c'est nouveau pour moi de les noter. Puis je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce qu'il y avait un combo que j'avais pris pour faire du bois. Puis aujourd'hui, je ne sais plus comment je l'avais fait. Puis c'était le plus beau bois que j'ai fait. Puis je ne l'avais pas noté. Puis à cause de ça, mais je ne serais pas capable de le faire. J'ai déjà essayé de le retrouver, puis j'ai pas retrouvé. C'est que, il y a une couleur orange que j'ai faite dans mon Fairy Celebrations. Puis ça n'a pas marché, mais j'ai fabriqué ce livre-là. Puis là, je note mes combos. Mais je rends compte que je vais peut-être changer l'ordre de certaines affaires dans ce livre-là. Parce que j'ai pas tendance à mêler mes crayons. Il faut qu'avoir des crayons tous mêlés dedans. C'est sûr, il n'est pas plein. Je suis en train de le remplir. Mais, tu sais, moi, si je prends des polychromos, je vais en colorier avec les polychromos. Si je vais prendre les Black Widow, je vais y prendre ça. Fait que je pense que je vais remanier le livre que j'ai fabriqué pour que toutes les couleurs, les combos de couleurs soient toutes ensemble. Numéro 8. Avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir? Oui, moi, mon tracker, j'avais essayé plusieurs modèles, mais pour moi, le plus facile, c'est ça. C'est mettre un chart sur l'en avant de mon livre, comme ça, on peut voir qu'est-ce que j'ai colorié ici dans mon vitrail. J'en ai mis une sur la couverture en avant. Donc, on peut voir combien de choses j'ai fait. J'avais essayé d'avoir des trackers dans des livres, tout, puis j'oubliais tout le temps de noter. Mais de cette façon-là, ça me permet de le faire la plupart du temps. Quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos? Mais c'est sûr, il y a du mauve. Il y a du vert parce que je fais beaucoup de plantes. Faut qu'on mette les verts, mais mauve est souvent là. Orange parce que j'aime le mélange de mauve et orange. Bleu. C'est pas mal ça, mais mauve, c'est la primaire. Je prends quasiment dans toutes mes colos, je pense. Des couleurs que j'utilise jamais ou que rarement. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je pense que j'en ai pas. Peut-être des couleurs néons. Fluorescents, genre. J'en prends rarement ces couleurs-là. Fait que. Tu sais, je peux pas dire comme orange, jaune, rouge, quelque chose, parce que je les prends pareil. Comme j'aime faire des tournesols. Fait que quand je fais des tournesols, c'est sûr que c'est jaune, tu sais. Puis orange. Fait que je dirais des tonnes. Pas des tonalités, mais des couleurs qui tient vers le néon. Ou peut-être je dirais pêche. Maintenant, si c'est pas un humain ou quelque chose, la couleur pêche, je le prends jamais. À moins que j'ai du pot à faire ou quelque chose.
C'est mieux que je peux faire pour cela. À l'inverse, quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou rarement? Ça, je l'ai fait. 11. Pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? J'ai trois méthodes, en effet, que je prends. J'ai les stylos crayons à gel que je prends à sec puis je frotte avec un embout de doigt. J'aime beaucoup ça. J'ai les pastels secs aussi que j'adore. Puis récemment, j'ai commencé à utiliser l'encre de stress. Fait qu'à date, ça c'est mes méthodes chouchou que je prends. C'est sûr, le plus souvent c'est pastel. Je veux dire, ça c'est le top. Suivi de crayons à gel. Tu sais, style gelatose, quelque chose. Hein? Fait que c'est comme ça. Comment vous choisissez vos colos? Ben, en partie, j'ai des duos. Fait que ça choisit. J'ai des livres que je fais avec d'autres mondes. Fait qu'on choisit tout le temps dans ça. Puis après ça, ben, c'est carrément si j'ai envie de colorier quelque chose. Des fois, je peux tourner en rond pendant une heure à pas savoir qu'est-ce que je veux colorier. Juste parce que j'arrive pas à trouver quelque chose qui va me frapper à l'œil. Puis la minute, je vais trouver quelque chose. Hein, mais je vais voir la photo, je vais savoir si c'est ça que je veux colorier. Fait que c'est comme ça que je choisis mes colos. Numéro 13. Si vous faites du mystère, quel est votre matos chouchou? Mais moi, pour les mystères, je prends les marqueurs double bout Staedtler. J'ai plus de Crayola Super Tip, sinon j'aurais dit ça, mais j'ai juste les Staedtler, faut que je dirais c'est ça. Vous allez plus facilement dans le Disney ou les arts Disney? C'est dur à dire parce que je fais pas mal des gardes, je pense, mais peut-être dire un peu cher hors Disney parce qu'il me semble que je vais plus souvent dans ça. Si je check qu'est-ce que je colore d'un mois, là. Ouais, hors Disney. C'est une question qui te fait vraiment penser à qu'est-ce que tu fais. T'sais, tu colores généralement, tu remarques pas ces choses-là, mais on dirait qu'il est fait pour te faire remarquer. 15. À quelle fréquence faites-vous des achats? Généralement, j'ai une montagne qui est allouée à tous les mois. Fait que j'essaie d'acheter une grosse commande à tous les mois, mais des fois, tous les débuts de mois ou fin de le mois précédent, ça dépend comment ça tombe, là. Puis, des fois, je vais avoir des achats qui arrivent dans les mois, mais ça, c'est jamais planifié. Comme là, j'ai eu la peinture qui est arrivée, mais ça, c'est parce que mon mari m'a commandé ça, vu qu'il va avoir de la construction, puis j'aurais pas accès à Amazon. Et, tu sais, il avait une couple de semaines, j'ai commandé AliExpress. Mais ça, c'est pas quelque chose que je fais souvent, tu sais. Fait que, généralement, c'est une fois par mois. Ah, je vais dire honnêtement, là, peut-être trois fois par mois. Parce que j'ai une petite livre qui vient ici par là durant les mois normaux. Fait que trois fois par mois. Mais ma grosse commande, c'est toujours le début du mois. Seize. Vous achetez plus facilement des livres ou du matériel? Alors, moi, là, livres ou matériel, peu importe c'est quoi, il n'y a rien facile là-dedans. J'ai une liste de souhaits sur Amazon. Puis, ça peut me prendre 16 heures faire une commande, là. C'est pas une farce, ça. Je demande toujours, je fais-tu bien? J'achète-tu bonne chose? Là, je vais mettre de quoi dans mon panier. Là, je vais penser, non, je vais charger. Fait que, peu importe c'est quoi, c'est plus dur. Même si c'est un livre que je veux, je vais hésiter. Puis hésiter avant de l'acheter. Je peux pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Fait que ça rend ça très difficile à répondre à cette question-là. Comme là, je limite mes livres. Le nombre de livres que j'achète parce que je commence à avoir pas mal. Mais en même temps, il y a quand même des livres que je veux. Fait que, tu sais, comme je sais que mon prochain, je vais probablement commander un livre ou deux sur Etsy, mais c'est pas sûr. Fait que c'est pour ça que je dis pas c'est quel. La question de Panorama Mimix.
Si vous avez des nuanciers, quel format vous utilisez? Mais moi, mon format pour le moment, c'est ça. C'est un nuancier comme ça. En livre, mais je vais le refaire mon nuancier. Je suis juste en train de checker dans quel sens que je veux le faire. Fait que ça, c'est mon nuancier. La question de Clio Colo. C'est-tu parce qu'on est supposé d'avoir une question? Ok, ouais. La question de Clio Colo. Quel est votre crayon le plus petit ou terminé? Ben là, pour le moment, je dirais c'est lui. Ça, c'est mon crayon le plus petit. J'en ai plein terminé, mais lui est encore bon un petit peu. Là, je pensais son dernier shot. Là, mais je vais être dû pour aiguiser. Je vais être obligé de changer. C'est pour ça que j'ai un rechange là. question de The Creative Pas. Quel est votre dernier achat? Mon dernier achat, c'était ces peintures ici. Je viens tout juste les avoir. Il y a celle-là. Et il y a celle-là. Je les ai achetées sur Amazon.ca. C'est la marque CSY Art Gallery. Je ne sais pas si tu peux le voir. Puis j'ai découvert qu'il y en a sur Amazon.com. Fait que si tu es en France et tu aimerais les commander, j'ai trouvé qu'ils sont sur Amazon.com. Les plaisirs d'Ergonia. Pour toi, quel est l'adjectif caractérisé le mieux l'art du coloriage? Bonne question. Parce que moi, pour moi, il me représente beaucoup. C'est un échappatoire de mes malheurs, mes douleurs. C'est une façon de me calmer, de me changer des idées. C'est un sanctuaire. Je l'appellerais le coloriage un sanctuaire. Parce que quand je le fais, tous nos bobos, tous nos tracas m'échappent pour un certain temps. Fait que c'est ça que je l'appellerais le coloriage adulte, un sanctuaire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais pour moi, ça, c'est ça. Ça, c'était la question des plaisirs d'Argonia. 18. Rajouter une question autre. Rajouter une question. Mais José Colorier a rajouté autre que Amazon. Quel est votre endroit préféré pour acheter vos livres et votre matériel? Moi, je dirais, pour les livres, je commande souvent sur Book Depository, Book Outlet, Archambault. Puis pour le matériel, mais récemment, j'ai commandé chez Dessert. Ça marche bien. Omar Dessert, c'est un magasin québécois. Puis, j'ai déjà commandé de l'encre sur AliExpress. Fait que je dirais ça. Là, fait que je rajoute une question à ça. Bonne question. C'est quoi qui t'a fait commencer? Pour quelle raison t'as commencé à colorier? Ça, c'est mon question. Je vais juste l'écrire, là. Pour quelle raison? Tu as commencé à colorier. Ou pourquoi tu colores? Comme ça, s'il n'y avait pas de raison. Mais là, au moins, tu sais pourquoi tu aimes colorier. Fait que moi, je vais répondre à ma propre question. Pourquoi j'ai commencé à colorier? Mais c'est une histoire un petit peu plus longue. Fait que je vais prendre le temps d'expliquer. Je pense pas que ça dérange à personne. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé en 2020? Ma mère est décédée au 1er février, juste avant la pandémie a commencé. Puis, même avant ça, j'avais des problèmes avec mes yeux. Puis là, ça va empirer. Vraiment, là. J'avais misère à jouer à l'ordinateur qui était mon hobby numéro un. Fait que là, tu sais, t'es en deuil, t'as une pandémie, puis là, tu peux même pas faire ton hobby. Fait que là, je checkais YouTube, puis j'ai vu du peinture à diamant.
Oui, je sais, c'est pas du coloriage, mais j'arrivais là. Là, j'avais commencé à faire du peinture à diamant. J'en faisais une peinture par jour, là, tu sais. Puis là, je faisais ça. Puis je sais pas, j'ai tombé sur un chaîne qui faisait les deux. Et là, je dis, hey, le coloriage, ça semble être vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est pas le coloriage quand on était jeune, c'est vraiment différent. Puis ça m'a intrigué, fait que c'est là que j'ai commencé à colorier. J'ai commencé pour trouver une façon de changer mes raisons, mes habitudes. Pas mes habitudes, mais mes idées, mes pensées. Parce que tant que je coloriais, c'était mieux que les diamond painting, on dirait. Tant que je coloriais, je pensais pas à quel point que j'étais triste ou à quel point que j'ennuyais de le monde qu'on a déjà vécu. Ou j'ai même remarqué après que les douleurs sont moins pires sur mes jambes quand je colore. T'sais, t'es pas obligé de penser à les mauvaises choses qui arrivent quand tu colores. Hey, numéro 19, tag trois personnes. Fait que trois personnes. Je vais taguer Isaor. Si tu l'as pas fait, j'aimerais voir tes réponses. Ensuite. Qui d'autre, qui d'autre? Je vais essayer Zazu, encore. Je le tag, je sais pas si elle voit ça. Mais. C'est Zazu. Et. Un autre, je sais pas. Qui d'autre que j'écoute tout le temps qui ça pourrait être fun? Pompi Fantasy, peut-être? Fait que je vous tag. J'espère que tu vas le faire. J'aimerais savoir vos réponses. Puis. J'espère que tu as aimé mes réponses. Puis avec ça, si tu as aimé mon vidéo, s'il vous plaît, likez le petit pouce bleu vers en haut. Et si t'es nouveau ici, bienvenue. Puis si tu t'es pas abonné, s'il vous plaît, abonnez à ma chaîne. Puis avec ça, je vais te dire bye bye. À la prochaine vidéo.